Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce dernier épisode de la semaine de Kmelan avec Damned. Bonsoir Damned. Bonsoir à tous. Alors on s'était quitté dans une période un petit peu calme, hein. Toi tu te gavais avec ta thune et tes tributaires là. C'est ça. Ah ouais non mais là je me gave, ouais, y a pas d'autre mot. Hein. Tellement que j'ai eu un événement pour gagner 700 pièces d'or ou du prestige, j'ai pris le prestige quoi. J'ai 5000 pièces d'or plus 110 par tour, par mois. Moi je termine mes légitimations et je pense que je vais aller m'occuper de John pour malgré ses alliés. Si t'as une grosse guerre, moi je prends. Hein. Alors attends, je regarde un petit peu. John pour, tu es où? Ah, petite lag. Non, zéro, je voyais 0-0-0 mais je suis dans les flottes. Bien sûr qu'il a pas de flotte le John pour. Essaye encore. Alors, John pour. Ah, il a quand même 71 000 ans, hein, le mec. Faut pas le négliger, hein. Il a l'équivalent de deux armées chez moi. On peut convertir, c'est pas mal. C'est parti. Tiens, je connais pas cette relation, Psyché. Cette religion, pardon, cette relation. Psyché, ouais, j'ai jamais vu, tiens. C'est ici. La population de guerre des Psyché. Ah, okay. Mon amiral est mort, c'est triste parce qu'il était génial. Bon, on va finir les légitimations tranquillement. Peut-être refaire une revendication sur le jaune pour si on peut. Et après, on va aller lui défoncer la tronche. Hein. Par exemple, ça avait bien marché toi dans ta partie solo. Alors, je crois que c'est dans tes parties solo que t'avais fait ça. Tu montres un. Ah oui, ça a l'air de marcher, oui. Tu demandes, tu sais, tu donnes un intérêt pour telle ou telle province pour que ton vassal fasse des. Ah oui, faut le faire ça. Oui, si tu donnes des intérêts, tu définis des provinces stratégiques collées à tes vassaux, ils te font des revendications dessus, ouais. Ah oui, complètement. Moi je le fais tout le temps, ça. Faut le faire absolument. C'est hyper rentable. Je savais pas si c'était très rentable ou pas, mais. Si tu me dis que oui. Après, bon, faut que tu veuilles faire grossir tes vassaux, bien sûr. Ouais, sinon, c'est sûr. Ça n'a aucun intérêt. On est bien d'accord. Plus 20, ouais, c'est pas ouf. Oh, plus 68 ici, mais on va garder un peu de sous. Tu peux repasser peut-être en vitesse 2, hein, parce que en 1, c'est ouais. La loose. C'est clair. Si ça tient. Je me disais que ça montait pas vite, les trucs, là. Bah ouais. Malheureusement. Ouais, c'est bon, sûr. Bon, ils la terminent leur guerre, là. Ah, je vais quand même regarder un peu quelle est la force du Biapas, parce que je vois qu'il a 60 000 hommes, là. Quand même. Je pense que c'était juste parce qu'il y avait des armées pas à lui. Ouais, voilà, 40 000 hommes, il est à poil niveau réserve, il est usé. Il décide quand même de me faire chier, donc, ben écoute. Voilà, les légitimations, c'est fait. Ah, et je suis quand même pas repassé devant toi, hein. Enfin, ou alors c'est peut-être pas encore pris en compte, je ne sais pas, mais... Ouais. Oh, c'est bizarre, j'ai l'impression que c'était le score de tout à l'heure avant ouais, tes légitimations. Ouais, ça a pas bougé, ouais. Ah, ça y est. Oh, bah Transoxiane. Oh, bah Transoxiane. Oh, bah Transoxiane. Dis donc. Qu'est-ce qu'elle a? Tu as été un peu gourmande, hein, ma petite. Dans le jaune pour? Non, sur Hormuz. Hormuz, ah oui, Hormuz, pardon. Ah oui. Oh putain, oui, ils ont bien poussé, ouais. Bah, oh, c'est... la gueule d'Hormuz. Oh, ah bah, j'aimerais Hormuz, tellement pas découper comme ça, là, en quatre endroits. Oh là 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 là. Oui, puis en plus, il est toujours en guerre contre le Biapas, qui devait tranquillement attendre que la Transoxiane se termine. Donc à mon avis, il va se faire plaisir. Tu m'étonnes. Il y a Farz aussi qui est en guerre contre lui, d'ailleurs. Ouais, bon, de toute façon, il va se faire défoncer, hein, c'est pas trop le thème. Mais du coup, ça veut dire que Transoxiane va devenir effectivement. Je peux pas la rivaliser, la Transoxiane? Ah, mais voilà, rivaliser la Transoxiane. Mais voilà, j'attendais là, d'avoir un vrai rival. Ici, on fait une revendication sur le dernier truc qui nous reste. Toi, tu reviens. Hop, hop. On va lui coller un embargo sur la gueule à la Transoxiane, ça va la calmer. Dès que mon diplomate sera revenu. Allez. Hop. Ah, on a un maître espion qui est mort. C'est bien triste.
Qu'est-ce qu'on a? Un autre maîtrise pion? Non, on va pas. On va prendre un plus 2 simplement. Parce que les points, c'est encore un peu la teuf là. 900, ouais. 947 là. 947 quoi. Allez, augmentons un peu les impôts ici. Voilà. Bon, bah je crois qu'on va arrêter l'entraînement, les gens. Alors, où est-ce qu'on peut mettre des troupes? 39 000, toi tu vas là. 38 000, toi tu vas là. Il nous faudra un général quand même, peut-être, pour gérer du côté de l'autre con là. Donc, on va peut-être plutôt t'envoyer là, toi. Avec un peu de renfort dans le dos. Alors du coup au niveau des états, est-ce que c'est pas plus intéressant maintenant? Genre celui-là là. Oui voilà, 2-14, c'est très bien ça. Donc là. Ah allez, il y a des gens qui gueulent. Les ordres monastiques gueulent. Qu'est-ce qu'on pourrait leur donner? Il y a de l'or ici, ouais. Ça c'est bien ça. Allez, prenez ça. Bon, Jaune Pour, tu laisses en venir l'arnaque ou pas là? Ah, la mission, avoir 5 états, enfin. Établir une armée. Une armée d'au moins 80 000, ça c'est fait. Unifier la région, c'est fait, voilà. C'était le truc qui nous manquait quoi. Venise se prépare à attaquer la Savoie. Ah, tu entres. Ah ouais, c'est trop content de le savoir quoi. Ce serait cool si on pouvait prendre la tech avant que l'institution arrive, mais je sens que ça va être tendu. L'enfoncement du coin, c'est quoi ça? Les dernières saisons n'ont pas été très tendres. Alors, on leur file de la thune et on gagne du karma. Oui, oui, on va, la manufacture elle va attendre 2 secondes. Hein. Les séparatistes qui gueulent. Hein. Une petite répression implacable qui coûte 17, ça vous dirait ou pas? D'ailleurs, on peut peut-être renforcer le gouvernement. Ah, on est à 83 malheureusement de l'absolutisme. Voilà, on monte à 85. Bon, est-ce que le biapass vient toujours? Il vient toujours le biapass, hein, il fait chier un peu. Bah écoute biapass, je suis bien désolé, mais du coup je vais te défoncer. Hein. Enfin c'est pas contre toi, hein, mais tu fais chier. Je t'appelle du coup? Bien évidemment. Alors qu'est-ce qu'on a? Reconquête, ah une petite reconquête, 25% d'expansion agressive, 75 de coups. C'est pas mal ça. Sinon on a nationalisme. Nationalisme carrément. 50% d'expansion agressive, 150 de prestige et 50% de coût. Ah oui, c'est très très bien ça. C'est très 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 bien. On va prendre Kalpi. Ah non, on peut pas. Barind. C'est où ces trucs? Je les vois même pas ces provinces. Koch. Non, Koch c'est trop loin. Lumbao. On va pas prendre Jaune Pour. Non. C'est quoi ces provinces là? J'en vois aucune. Je suis aveugle ou quoi? Alors attends, concentrons-nous. Doab central non, Delhi non. Bareich non. Mais elles sont où ces provinces? j'ai de la merde dans les yeux aujourd'hui. Prenons ce truc là, Barind. Ok, en fait c'est des trucs qui sont collés à toi. Bagalgour c'est là, d'accord. Oui bon on va prendre ça, allez hop c'est parti. De toute façon on s'en fout hein. Ah il a vassalisé Malwa. Bah du coup encore une fois désolé pour toi Malwa. Hein. Allez c'est parti, on va aller s'occuper de Malwa, là on avance sur son fort, on a du siège ici, ouais on a du siège complètement. Pour moi je t'envoie que 38 000 hommes mais bon je pense que... On va envoyer quelques troupes par là-bas. Ça devrait le faire. Je t'envoie 34 000 hommes en renfort, ici j'ai mis des hommes juste pour péter la gueule aux 15 000 hommes ici. Voilà. Dommage. Je peux pas y aller parce que j'ai pas de droit de passage, c'est bien triste. Ah oui. Bon bah du coup on va se replier hein.
Hop. Bon bah lui il a décidé de s'occuper de ça, parfait. Oh, il y a 37 000 mecs qui se pointent. Allons faire une petite interception. Donc ici on a un commandant, ici on a un commandant, ici on n'a pas de commandant, mais il y a les Khmers. C'est ça. Ici on va y aller comme des connards. Sur ces armées pas du tout prêtes là. Mais alors vraiment comme des gros salauds. Hein. Ouais, ouais, à mon avis. J'ai même pas regardé sa tech à ce con. Tech 23, on est tech combien nous? Tech 23 aussi. Pareil, ah, il s'enfuit. Dire. Il s'enfuit le veul. Mais arrêtez de me mettre des notifications sur la gueule, ça suffit un peu. Accès militaire de la part d'Ormuz, bon ça ira. Est-ce qu'il y a moyen de le choper là ou pas, avant qu'il regagne son moral? Ou c'est une option définitivement pas possible? Voilà. Est-ce qu'il y a moyen de le stack wipe maintenant? C'est notre question. Il est costaud le foiré. Voilà, 30 000 hommes de stack wipe. C'est comme ça qu'on aime gérer nos guerres. Non, ça c'est de la merde ça. Ici, on peut avancer là. Non, faut faire le tour à cause de son fort. Donc on va attendre que son fort tombe, ça devrait être rapide. En attendant, on va aller assiéger par là. Ouh, ça lague un peu encore. Alors, ordonnance non appliquée. Laissons-les faire. Ouh, on perd 50 points de mine. On perd 50 points de mine, bien sûr. Ici, on peut faire notre super manufacture qui rapporte 0,68. Ce serait qu'on s'en privait. Putain, alors... faut que je regarde les bâtiments que je peux construire, je pourrais en construire tellement. Toi tu vas te poser là pour faire un petit siège. Bah écoute, on va te ramener des renforts alors dans ce cas. Et j'ai envie de dire. Ici vous avez pas été très bons les mecs, hein, les mercenaires, je suis un peu déçu. Voilà, là c'est fait, on avance. Là on va peut-être les choper, les 4000 péons quand même, ce serait triste sinon. Visiblement il n'y a plus d'armée dans le coin, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va scinder un peu pour aller plus vite. Hein. Ah mais c'est vrai qu'il y a l'Afghanistan aussi du coup qui est en guerre. Faut le coquinou. Donc ici on va attendre que les troupes se refassent. Le siège va pas tomber tout de suite je pense. Mon commandant qui a 4 de siège, il assiège rien, c'est un peu dommage. Où est-ce qu'on a des forts? On a que la capitale en fait. Bah go à la capitale mon pote. Transoxiane m'a rivalisé, voyez-vous ça. Ah, tu commences à sentir le pâté là? Merde, il essaie de se barrer le con. On va le choper. Une bataille, je sais pas où c'était, mais on l'a gagné. Allez, toi tu fonces ici, aider tes collègues là. Ah, mariage royal rompu, une révolte. Diantre, 6000 hommes. Diantre. Envoyons l'armée. Ici on est trop nombreux du coup. Celui qui a 4, c'est pas celui-là. Hein. Si c'est celui-là. L'autre. Voilà, l'autre qui a 0 en siège là. Il va se bouger le cul. Alors, ici on saute dessus comme des gros fourbes. Voilà. On a 34 000 hommes qui se pointent derrière, pas de stress. Allez, arrivez les gars, merci. Ah, on l'a pas stack wipe cette fois, c'est fort triste. Bah du coup on va aller s'occuper un petit peu de l'Afghanistan. Ici, on s'occupe des rebelles qui traînent, s'il vous plaît, merci. Vous arrêtez les conneries un peu. Vous pouvez choper ces 1000 hommes là? Oui. Allez-y. Voilà, les rebelles c'est fait. Alors il y a 4000 péons qui se baladent également. On va aller les chercher.
On a remporté un siège. C'était où? Ah, c'était là. Alors... Ici, il y a 7000 hommes. On va aller les chercher. Parce qu'on a un petit général qui glande. Toi, tu glandes. Viens. Ouais, bah ici, on va aller s'occuper de ça. Pour l'instant, je vois pas le billet pass. Il va peut-être arriver quand il aura fini sa guerre avec Hormuz. Ah, il a fini sa guerre avec Hormuz. Je pense qu'il l'a terminé parce qu'il sentait que ça sentait le caca. De mon côté. Aussi. 950 points et on est en 1698. C'est triste quand même. Moi, je trouve... Promouvons le mercantilisme. Le mercantilisme, c'est bien. Allez, ici on y va avec 34 000 hommes. Pas de stress. Ici on va scinder un peu. Celle-là occupe des trucs, oui, c'est pas trop. Une révolte, hein. Encore une. Bah, demi-tour, les mecs. Allez vous occuper de ces cons. Oh mais dis donc, t'es en train de douiller là? Non, c'est pas toi, c'est Assam. Ah ouais, non, faut pas déconner. J'espère que non. En avant. Ouais, j'y vais comme un porc là, par contre. Hein. Peut-être un petit peu trop comme un porc. Attends, parce qu'il y a les rébellions qui font chier, donc ici on y saute. Rétablissement économique. Pépin. Gain de 166 ducats. Parfait. Ok, donc Maloa c'est bon, à Biapas par contre, ouais, d'accord, va falloir aller un peu plus loin quoi. Ouais, Biapas, je pense qu'il va attendre qu'on débarrasse des autres là. Ici on peut peut-être y aller, t'arrives ouais. Le 22 septembre, toi t'arrives le 18 septembre, mais il est en train d'envoyer 1000 hommes pour essayer de m'intercepter là, non, c'est ça l'idée? Ah là, ça c'est les 10 000 jaunes pour elle, là, c'est la guerre du... c'est la bataille de la guerre. Attention. Voilà. Ça c'est fait. Toi tu te scindes, tu vas là-bas. L'autre morceau il va là. Ah, succès de la conversion, parfait. Hop là, on en continue. Oh bah il y a 15 000 mecs ici là qui se baladent. Dis donc. Bataille de Katmandou, c'est fait. Alors, Akan, il s'allie à la Transoxiane. Bah écoute, ça tombe bien, c'est un rival que j'aimerais assez tataner un petit peu. Ah ouais, ce serait bien qu'il rentre dans la guerre, du coup. Ah, le siège de Jaunpour, c'est fait. Ah, c'est Dali qui l'a fait, du coup, il te l'a donné. Ouais, pourquoi? Je sais pas. Bah choix. Non. Tiens, je veux pas. Je n'en veux pas. D'ailleurs, faut que je donne tout ça à Sam. Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir se replier doucement là. Hein. Rachim Machin et sa famille. Famille marchande influente ou un nom. Bon. Ouais, on est en train de. Là, ces deux armées-là, elles vont se replier à Mandla. Ici on est trop nombreux par contre. Mettez-vous là pour... Oh bah dis donc, non, remontez. Il y a Biapas qui amène ses 40 000 hommes dans la balance. Là. Un commandant nous a quittés, zut. Oh, elle va pas t'occuper de Biapas, on s'en fout. Hein. On y va pas Biapas? Non, non, il va... On va lui mettre quelques défaites, il a amené ses 40 000 hommes là, mais... Bon bah alors, je rentre. Franchement... Je pense qu'il va assez vite rentrer chez lui, la queue entre les jambes. Quoi. Ah, il est mamelouk qui sont en train de finir en mousse, quoi. C'est la teuf. Putain, j'avais pas vu. T'as vu la résurrection de la Castille? La résurrection de la Castille? Ah non, la dernière nouvelle, elle était chez Aragon, là. Ouais, bah ça s'inverse, hein. Non, elle est toujours. L'Aragon a toujours comme partenaire misé dans la Castille. Bon, elle a 100%
d'inspiration ouais, à liberté. Il était plus gros que ça, l'Aragon, non? Ouais, bah il doit... Pas sûr, hein. Enfin, en tout cas, pas en Castille. Par contre, il a peu perdu, j'ai l'impression, du côté de Tlemcen. Après, les Ottomans qui soutiennent l'indépendance de la Castille, quand même, c'est classe. Oui, ouais, c'est clair. Et on peut voir qu'ils sont tech 23, les gens, hein, donc on n'est pas si en retard que ça, au final. Non, non, on est même bien. Alors, ici, on a 34 000 hommes qui se reposent, c'est parfait. Ici, on a 23 000 hommes qui attendent leurs 7 000 hommes qui sont là-bas. Ici, on a beaucoup trop de troupes stackées, mais ça va se changer quand on va leur mettre des fessées. Ah, ici tu vas choper des jaunes pour elle, hein, fais gaffe. T'es pas assez nombreux. Je vais pas venir t'aider à cause du fort. Mais oui, il me semblait que j'avais fait demi-tour pourtant. Bon, attends, tu sais quoi, allez. Attention, il y a 25 000 biapas qui se pointent aussi. Hein. Enfin, j'ai le temps j'arrive doucement, mais. Oh, il se replie. Bon, ça va aller pour moi. Hein. Toi, arrive. Moi j'y vais comme un porc. Bon, ouais, hop. Alors, c'est avec un peu de bol, il y en aura que 25 000, mais j'y crois pas trop. En plus, ça a l'air d'être des belles montagnes, ça. On va avoir un beau malus de terrain. C'est pas grave, on lui fait bien mal, ses renforts vont arriver. Peut-être avant que. Le Tibet veut l'accès militaire, et pourquoi? Il est en guerre contre l'Arakan. Le joli stack wipe. Ouais, le Tibet il a fini le Bengal, j'ai vu. Oh bah c'est fini. Attends, le Tibet qui est en guerre avec l'Arakan. Ah bah oui, ils sont entre... Ils sont entre tributaires, ouais. Ah ouais, donc ouais. Attends, j'ai trop de points. Oh là là. C'est le drame. Bah oui, vas-y, je lui donne l'accès militaire s'il le veut. Pouf, pouf, pouf. Tiens, ça c'est à 19. Là qu'on est points. Oui, c'est vrai, dans mes nouveaux territoires que j'ai conquis, il n'y a pas des petits trucs à améliorer. Et hop. Cadeau. Alors, il reste deux trucs à prendre en Afghanistan et après je pense qu'on pourra s'arrêter là. Je viens de lui encore de lui mettre une grosse défaite dans les dents là. Vous, les 34 000, vous repliez là-bas. Biapa, je vais stack wipe une armée et puis l'autre s'est enfui. L'un dans l'autre, on est pas mal hein. Alors, les vassaux, toi. T'as des revendications ici, c'est pas mal. Donc ça, on le file à Marwar. 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 Ça, on le file à Marwar aussi. Ça, on le file... On est beaucoup trop nombreux ici. C'est n'importe quoi. Bah, il y a des mecs qui essayent de faire des sièges par là, donc allez-y. Hein. Ça on le file à Marwar, ça on le file à Marwar, ça on le file à Marwar aussi, allez. Je pense que je pourrais pas te prendre tout ça, mais c'est pas grave. L'Afghanistan il se replie bien sûr, hein, il est pas con, il a bien vu que ça sentait le pâté. Il a deux armées qui vont vers lui avec des généraux 3 étoiles. Vous. Non, juste vous. Demande de représentation, oh des pamphlets. Interdisons ces pamphlets ou faisons des vagues promesses. Faisons des vagues promesses. C'est où qu'il y a un siège ennemi? Oh, il y a 4000 mecs à Madurai, je les avais oubliés. Oh, ils sont mignons. J'avais envoyé 33 000 hommes et j'ai complètement oublié. Bon, on va envoyer 33 000 hommes. C'est pas grave, de toute façon, c'est pas pour ce que ça coûte. Hein. Alors, Afghanistan. Afghanistan. Donne-moi des territoires. Je vais pas te demander plus que ça. Bon, on va demander ça déjà. Du blé. Ouais, un peu de blé. Voilà. 100% c'est pas possible. Parce que tu fais le fier avec 25 000 hommes, c'est ça que t'es en train de me dire. bah écoute, désolé, mais ça va pas être possible. Ça va pas du tout être possible. On peut mettre combien d'hommes ici? Ouais, venez là les gars. On va essayer de choper ces cons. En attendant, on va piller ton pays, hein. Tu sais, comme ça. Non mais attends, je rêve ou quoi? Qu'est-ce qu'il espère? Je vois pas trop le concept, si tu veux.
On va prendre lui. Au cas où il décide de faire chier. Hop, on va aller piller sa capitale, ça lui fera les pieds. Tu vois que je te file des petits territoires là, je vois que t'as gardé deux trucs. Bon, tu verras, hein, c'est bonus, hein, c'est, j'ai pas de revendication dessus, donc à la limite c'est pour finir ça, prendre ça, voilà quoi, je m'arrêterai là après. Mais c'est toi qui me dis comment sont tes états. Sinon, ah oui, tiens, c'est pas bête. Oui, sinon, c'est pas je, bête. Vais le filer à, je vais le filer ah bah non. Aux autres. Ah bah non, file-le à Sam, c'est tout l'état. C'est tout le même état. Touk, touk, t'as raison. Non, c'est bon, j'ai pile ce qu'il me faut en état, moi. Je suis bien dedans, nickel. Ok, bon bah écoute, dans ce cas-là. J'avais pas pensé à ce détail. Tu as raison. Bon, je les poursuis, mais visiblement, ils ont pas envie de s'arrêter. Je pense qu'ils vont courir jusqu'à Moscou à ce rythme-là. Je peux les intercepter peut-être là. Non, que dalle. Bon, bah écoute, c'est pas grave. On va prendre ce qu'on peut prendre comme paix. Hein, si je t'enlève un. Non, tu veux pas. Je suis pas content. Je suis pas content. Toujours pas content. Tu veux pas. Est-ce que déjà, si je prends que ça, tu veux. Oui, tu veux. Pas grave, hein. On va prendre le blé qu'on peut prendre, on va pas y passer 100 ans non plus. À poursuivre ses armées. Allez, voilà, ça c'est cadeau. Ça me fait plaisir. Voilà. Hop, pause. Alors, il est pas content. Pourquoi il est pas content? Parce qu'il est trop gros, j'imagine. Ah oui, mais c'est toujours que je lui ai imposé la religion, donc forcément ça fait des malus. Hein. Vous vous repliez là. Ah bah vous, vous arrêtez de courir, hein. C'est bon. Demi-tour. Vous attendez là deux secondes, non, vous ferez de l'attrition de toute façon. Vous allez là, vous allez là. Alors ensuite, on a qui dans la guerre? On a Biapaz dans la guerre. Biapaz, écoute. Je t'aime bien, on était alliés. Tu veux pas faire une paix blanche, tant pis pour toi. Jaunpur. Qu'est-ce qu'on va te demander? Alors Malwa, on l'a peut-être assez fait grossir. On va peut-être faire grossir un peu le Yarkand. Ouais, c'est pas mal, c'est là comme idée. Yarkand. 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 Et Yarkand. Voilà. Je pense pas qu'on va pouvoir prendre tout ça, hein. Mais bon, déjà on va faire dégager Malwa, ce sera fait. Prendre tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Oh là là, on peut tellement se gaver. On peut pas tant que ça parce qu'on n'a pas le score de guerre, mais. On peut pas prendre le jaune pour parce que ça c'est la capitale, ça coûte trop cher. Des petits trépas de guerre peut-être? Tu veux pas? Bon. Qu'est-ce qu'on a besoin de sous, franchement? Limite, si je lui prends pas de répas de guerre, ça lui fera plus de sous à lui taxer la prochaine fois. Allez, c'est parti. Voilà. Et du coup, on va direct mettre pause et on va refaire des revendications sur lui, puisqu'on a 43 de contre-espionnage, ce serait con de se priver. Hop là. Alors, technologie, on est à 10%. Ah, ça devient intéressant. On peut construire des trucs. Ouais, c'est pas ouf pour l'instant. On va faire des universités. Hop, ça aidera pour l'institution plus que le développement. T'aimes bien faire claquer ta langue, dis-moi. C'est pas la langue. Ok. Mais j'sais tu viens de si le dire, c'est... Je sais pas si je dois demander ce que c'est. Eh ben je ne dirai pas, comme ça, ça laissera le doute. Bon, du coup, j'ai 4000 rebelles là qui se baladent. C'est un peu triste, quoi. Je sais pas où ils vont. On va aller les confronter, hein, c'est pas un problème. Peut-être même mettre des généraux, ce qu'on peut se permettre. Alors ici on en chope quelques-uns, vous changez de direction, vous montez. Voilà, ça c'est fait, et ça c'est fait, parfait. Bah vous arrêtez là. Arrêtez-vous, merci. Vous allez remonter là où il y a potentiellement des gens qui gueulent. Les lumières, ça y est.
C'est apparu. Ah, et on a l'innovation qui décline. Pause. En Lorraine. Pause, pause. En Lorraine. Ouais, donc autant dire que c'est pas tout de suite que ça va arriver. Après, normalement, ça devrait, avec les, voilà, avec les universités, ça se déploie un peu quand même, c'est la bonne nouvelle. Déclin d'innovation. Ouais, on va prendre les techs. Avant qu'on ait des malus. Voilà, on est reparti à 150%, c'est nickel. Et on est tech 24. Il faut quoi pour avoir ça? Type université, ouais. Putain, j'en ai pas une seule, quoi. Ah ouais, ça c'est triste par contre. Ça avance de combien? C'est pas ouf en même temps, hein, quand t'as des universités. On va poser des édits. Ça c'est le même état, non? C'est pas le même état. Hop, un petit édit. Un petit édit. Oh, tant pis. Un petit édit. Bon, t'as plein de blé, tu peux en construire au pire. Ouais, j'en ai plus tant que ça, hein. J'ai construit 20 manufactures. Ah oui, ouais, ça joue un peu. Bon, ça avance pas à une vitesse de dingue, hein. On va pas se le cacher. Qu'est-ce qu'il faudrait? Ah, il faudrait qu'on ait les doctrines novatrices. Il faudrait qu'on ait un scientifique. Tiens donc, si on a un scientifique, ça fait des bonus. C'est quoi? Il fait quoi le scientifique dans sa vie? Il fait quoi dans sa vie? Non mais c'est vrai, c'est quoi? Qu'est-ce qui est... Ça c'est un mec de la monnaie, ça c'est un philosophe. Bah si, j'ai un scientifique en plus, j'en ai un. C'est le mec qui fait de la productivité. Ah, c'est parce qu'il faut que ça marche que sur la capitale, c'est ça que vous me dites? Ouais, c'est ça. Capitale d'un pays ayant découvert la 20ème technologie diplomatique ayant recruté un scientifique. Mais ça marche que dans la capitale, malheureusement. C'est bien triste. Si on a quoi? Une province amie, une province limitrophe, un bâtiment de type université, les trucs novatrices, ou alors on a recruté un philosophe. Ouais, mais le scientifique est beaucoup plus rentable. Bon bah ça se fera à la vitesse où ça se fera, hein. Je pense que du coup on peut arrêter l'épisode là de toute façon. Ouais, et je pense aussi. Il est ben assez long. Je vais vérifier un peu où sont mes troupes, mais ouais, elles sont rentrées, on est pas mal. On va lancer les entraînements. J'ai un endroit, j'ai un général qui fout rien, j'ai l'impression. Ah non, il est là. Ok. Il est là, bah il fout rien quand même, on va le mettre là. C'est lui. C'est ça. Et on lance l'entraînement, ça c'est fait. Et puis bah du coup, on va se quitter là. Mais oui. On va se quitter là. Pour cette semaine. Pour cette semaine, tout à fait. J'espère que ce petit épisode vous aura plu. Ça se passe plutôt pas mal, hein, moi je trouve. On est quand même ouais. Sûr, hein. Ça va, ouais. Par rapport d'où on est parti, où on est, ouais, ça va. Moi, je pense que le prochain guerre, je finis ce qui restera d'Ormuz après sa guerre actuelle. Comme ça, on n'en parlera plus. Puis avec un peu de bol, je pourrais poser un pied au Moyen-Orient. Ce serait cool. Tout à fait. Ce qui serait intéressant, c'est effectivement si à un moment, s'il est encore allié l'Araken avec la Transoxiane, tu déclares la guerre à la Transoxiane et que t'appelles du coup l'Araken dans la guerre en co-belligérant vu qu'il a pas d'allié. Ah, est-ce que ça s'appellera pas le Ming? Ah, on testera. On testera. On verra ça. Allez, on s'arrête là. On vous dit à la semaine prochaine et merci à toutes et à tous. Merci à tous.